Et what's up les gens, c'est Roll, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'Obscur Clan. Alors les gars, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comment ça se fait que Airwolf se retrouve sur la chaîne de l'Obscur en tant que commentateur? C'est du jamais vu les gars, c'est vraiment voilà, une vidéo un peu spéciale pour ma part. C'est la première fois que je me retrouve sur cette chaîne en tant que commentateur et non en tant que streamer. Vous m'avez sûrement déjà vu voilà, sur différents lives de l'Obscur. Ça fait maintenant presque un mois que je live sur cette chaîne, mais que j'ai jamais fait de vidéo, enfin si, une. D'ailleurs c'était la vidéo avec ma copine. Mais sinon j'ai jamais vraiment commenté de gameplay sur cette chaîne. Et c'est donc pour moi une première. Donc du coup les gars, je vous conseille de lâcher un putain de pouce bleu à la vidéo. En tout cas je vous remercierai tous si vous pouvez faire un maximum ici pour cette vidéo, c'est à dire partager la vidéo, liker la vidéo, commenter. Enfin voilà, franchement je compte sur vous les gars. L'Obscur Clan, Obscur Army, vous savez ce que je veux dire, enfin bref toi même tu sais. Pour passer au gameplay les gars, c'est Stéphanois qui nous a fait une petite quintuple nucléaire sur la map Nocturne. Il est armé de sa VMP avec la fond spécialiste et il nous a fait juste un gameplay de malade mental. Voilà, de toute façon vous l'avez sous les yeux, vous pouvez vous en rendre compte, c'est un truc de ouf. Stéphanois c'est un peu le joueur surcoté de l'Obscur, t'as vu, c'est un peu le mec qui déconne pas, tu vois, il se contente pas d'une nucléaire, le mec c'est directement x5. Enfin bref, du coup, pour le soutenir les gars, n'hésitez pas à aller voir la chaîne dans la description de Stéphanois et également ma chaîne. Enfin voilà, merci à tous ceux qui s'abonnent, etc. Perso, pour ma part, je suis bientôt au 8K, je vous en remercie tous. C'est vraiment grâce à vous, grâce au live, que j'ai réussi à avoir autant d'abonnés, d'avoir une communauté vraiment de malade, on peut le dire, parce que l'Obscur Clan, les gars, c'est pas seulement une team performance, c'est des milliers de personnes qui nous suivent au quotidien, et c'est vraiment quelque chose de fou, c'est quelque chose de malade. Et d'ailleurs, merci encore à tous pour tous ceux qui nous ont suivis, merci pour les 30K, j'étais en live pour les 30K, j'ai même twerké à la caméra, enfin bref, c'était vraiment un truc de ouf. Et 30 000 personnes qui nous suivent, c'est juste... C'est trop bien les gars, vous rendez pas compte le suivi qu'on a au quotidien, malgré les petits couacs, les petites baisses de motivation, voilà, on arrive toujours à se relever, et au final on est là les gars, on est présent et on fait du très très sale m'amène avec un petit Stéphanois qui nous fait une quintuple nucléaire. Enfin bref les gars, du coup j'ai pas vraiment de sujet pour cette vidéo, juste vous et moi, une caméra, et voilà, toi-même tu sais. Vous l'avez peut-être déjà vu récemment les gars, dans l'Obscur on a décidé de recruter quelques nouvelles personnes, donc voilà, grosse dédicace à Lucas, à Théo, alias l'étoile noire, Alex, Aditox, à QX Max et à Purge Graphics. Donc voilà, bienvenue dans l'Obscur les gars. On avait besoin de nouveaux membres, du coup je sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, mais voilà, voilà donc les nouveaux membres de l'Obscur. Bienvenue à vous les gars, ça fait super plaisir d'avoir des nouvelles personnes au sein de l'Obscur Clan, ça ramène pas mal de fraîcheur, pas mal de nouveautés. En tout cas je sais que vous ferez du bon taf, je vous fais confiance et on vous fait confiance de toute façon. Et voilà, donc bienvenue la famille. Sinon pour ma part les gars, j'ai décidé d'acheter du nouveau matos pour ma chaîne YouTube et également pour les streams de l'Obscur Clan. Je me suis dit, vu que je vais aussi l'utiliser pour l'Obscur, je me dois d'en parler ici. Alors pour tous les gens voilà, qui regardent un peu les streams, les lives, qui sont passionnés par ça et qui nous suivent voilà, tous les jours, du coup j'ai acheté un nouveau fond vert, du nouveau matos, voilà, des trépieds pour mettre le fond vert, pour le suspendre. Et donc du coup je vais commencer à live avec une incrustation fond vert, donc vous verrez plus du tout le décor pour ceux qui savent pas trop ce que c'est. C'est... En fait c'est la possibilité de vous incruster vous, juste vous, donc le contour de votre corps dans le gameplay. Du coup ça va être beaucoup plus intéressant, beaucoup plus interactif, etc. Et j'espère que ça va vous plaire. Ça m'a coûté quand même pas mal d'argent pour acheter tout ce matos. Du coup les gars, lâchez encore un putain de pouce bleu dans les commentaires. En tout cas voilà, c'est tout pour moi. Je voudrais tout d'abord remercier Stéphanois qui nous a vraiment fait un gameplay de la mort qui tue. Et puis tout simplement, je vous le rappelle, allez voir dans la description sa chaîne personnelle ainsi que ma chaîne personnelle. Et si vous voulez me revoir en tant que commentateur et pas en tant que streamer sur l'Obscur, est-ce qu'on peut atteindre les putains de 400 j'aime ma gueule? Allez, ciao les BG, n'oubliez pas de rester dans le côté obscur. Peace, c'était Airwalk. Every precious minute of their 2.5 hours on the surface was programmed. Rock and soil samples were to be collected, photographs taken, experiments set up to catch unfiltered particles from the sun,
to record moonquakes, to measure precisely by laser beam reflection the exact distance between moon and Earth. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Say again, please.